Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Après l'épisode douche de la semaine dernière, j'ai décidé de faire quelques modifications. Franchement, il me colle à la peau celui-là. Hey, coucou. Bon, du coup, alors j'ai décidé de remplacer le rideau de douche qui me collait à la peau par cette bâche que j'ai acheté très bon marché d'ailleurs et qui m'a l'air un peu plus costaud et qui permettra de moins s'accrocher à moi grâce au scratch que je mettrai sur les côtés. Donc, je vous montre un peu ma liste de courses. J'ai acheté des crochets qui se vissent. Et aussi, ah oui, pour le robinet. Pour le remplir les eaux propres. Le bout du tuyau s'est cassé. Donc j'ai pris ceci et de la colle pour pouvoir coller le papier dans la douche qui se décollait. Et bien sûr d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à coller. Donc, on va coller ça rapidement déjà pour commencer. Voilà, comme ceci, un peu de colle. Ça colle très très bien d'ailleurs. Plutôt satisfait de cet achat, ça colle assez bien. Alors vous allez voir un peu par la suite les questions que je me pose, même si un peu muet. Voilà, je me demande si je peux couper justement cette bâche. Est-ce qu'elle va pas s'effilocher dans tous les sens? Est-ce qu'il faudrait pas faire un ourlet pour pouvoir garder l'état de cette bâche en bonne et due forme? Parce que il est beaucoup trop long. En termes d'attache, j'ai remis les mêmes attaches qu'il y avait sur l'ancien rideau de douche. Jusque là, tout va bien. Les attaches en question que je vais remonter ou réattacher plutôt sur la bâche.
Alors, ce qui paraît plus intéressant avec ce rideau, c'est qu'il est beaucoup plus rigide et justement permet de ne pas coller sur le corps. Et comme je le disais et comme nous allons le voir un peu plus loin, des scratchs, je vais placer des scratchs pour pouvoir le maintenir assez tendu, assez et ce sera assez carré, ça va bien contourner les bords de la douche et me permettre justement d'être un peu plus à l'aise dans cette douche. Aléas du direct. Ici, c'est bon. Bienvenue dans la salle de bain, les gens. Ils sont dans la douche. C'est vraiment les aléas du direct. Et du coup, et voilà, ça a l'air beaucoup plus spacieux. Pour le moment, vous ne voyez qu'un seul côté. Ça a l'air vraiment beaucoup plus spacieux. Et c'est à partir de là que je vais commencer à mettre les scratchs, justement pour que ça reste tendu, ou avec toute l'eau qui coule sur mon chapeau. Donc, voilà. Et au moins ça permet de camoufler la de camoufler d'empêcher que l'eau aille sur les prises. Et pour devant, pour que ça fasse bien un bon carré et me permette d'être beaucoup plus à l'aise comme je le disais auparavant. On va mettre des scratchs un peu à chaque extrémité. Et là, ce sera beaucoup plus simple pour que cette fameuse bâche reste assez plus rigide quoi, en fait, plus carré entre autres par rapport au contour de cette douche.
Étant donné que la matière est beaucoup plus rigide, donc pour tout ce qui concerne le rangement et le fait de pouvoir l'entre guillemets plier ou l'entreposer dans le coin prendra certainement plus de place que l'autre qui était vraiment vraiment plus fluide. Et oui, et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo et mettre un petit like aussi.